Tom, darling, what are you doing? I'm taking a bath. Why? 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 You really want to make me mad, don't you? What? Ah, forget it. Take a bath. He usually hates to take a bath. A shower would have been so much easier and faster, but no, he chooses to take a bath. Oh, I swear he does it on purpose. Especially the first night we have cable TV. Tom, oh, please don't forget to shave. That way you'll be sure to miss the Bob Nelson show. I don't understand him. He should be proud. It's not every day we have a chance to live the first of a modern and revolutionary event. Transportons-nous à l'aube des années 60, au terme de la Révolution tranquille. En effet, 1960 allait échapper à l'inertie de cette grande noirceur en multipliant contestations et révolutions. Ainsi, en 1961, un bouleversement marquait l'univers des télécommunications. Cable TV participait à ce changement en mettant à la disposition de ses abonnés un canal communautaire bilingue qui leur était strictement réservé. Muni de deux vieilles caméras, d'un grand bureau et de quelques microphones, les quatre employés se succédaient tantôt devant, tantôt derrière le petit écran. À l'époque, des hommes orchestres, Bob Nelson et C.G. Fitzgerald, avaient pour défi d'inciter le plus de gens possible à syntoniser le Canal 9, de même qu'à participer à la production d'émissions. Bob Nelson, il avait son, un genre de disc jockey, mais sur caméra, l'après-midi aux alentours de 4h30, puis les jeunes pouvaient appeler, lui parler directement sur la caméra, demander les disques qu'ils voulaient entendre, puis Bob le faisait passer. C'était intéressant. Lors du célèbre bed-in de John Lennon au Queen Elizabeth, Bob Nelson usa de persuasion et réussit à se tailler une place dans l'illustre chambre. Plus tard, les fidèles de l'émission The Bob Nelson Show ont pu apprécier, ravis, une entrevue exclusive avec l'éminent chanteur des Beatles. We're enjoying all the great surfer tunes right here, and I'm your TV DJ, Bob Nelson. We're continuing with all the... look, hurry up! Happening out there. We also had some Jan and Tom, it's starting! With all the greatest hits from the 50s. It's a music program, you'll love it! For you, not just for it's a host, Bob Nelson! Hearing from you in NDG and all across the city. He reminds me of somebody. Back to more music now. He's talking about the Beach Boys. Oh, Tommy says we can phone in a special request. Hurry up. It's ridiculous. Seriously, Tom, have you ever even heard of the Beach Boys? The Beach what? Beach Boys. I never heard of them. I told you. I'm not interested. Maybe you're right. Maybe it is just for the end. I told you. Oh, do you hear that, Lizzie? Madame. Sir. You know, darling, I must admit Channel 9 is not as stupid as I thought. All I can say, I think I'm gonna start to like it more and more. I knew it. Let us celebrate today the 35 years of CF Cable TV's community channel. And let us relive together the itinerary of this innovative method of communication, which has modified Quebec's televisual scenery. When I first started working at Cable TV on Mayran, I was hired by Larry Shapiro. And they were making a lot of inroads into doing community programming and inviting the whole of Montreal to come into Cable TV. We had an Irish program. We had a program for the black community. We were also going through an interesting period where we were changing from black and white technology to color. And we were very excited to have three color cameras, but what we found that we could generally keep two of them operating by taking parts from the third camera. It was also interesting because we had the opportunity to design the studio and the control room. So as coming from university, it was interesting to be in from the ground zero and the planning, and of course being able to implement a lot of ideas. I'd say that the Montreal Artist Show, if it was to judge in human standards, is now
one of the senior citizens. It's been 25 years running, and as a matter of fact, it started before CF Cable. It started way back in Mayrand at Cable TV. And in those days, we just had black and white cameras. And we often did half-hour shows, four of them at one sitting. And it was pretty hectic, because very often the little studio there would be occupied and we'd have to go on location. Plusieurs changements importants ont marqué les 35 ans de CF Cable TV. L'un des tournants majeurs survient au début des années 70. À cette époque, le canal communautaire voyait augmenter ses heures de production et grandir l'intérêt de la population. Cable TV fut donc en mesure d'offrir un canal local représentatif de l'environnement social, politique, économique et culturel propre à sa communauté. Hey, écoute, faut vraiment que je raccroche là, parce que je veux pas manquer la première de ma mère. Ouais, elle anime l'émission. Ben oui, à la télé. Je te le dis. Oh, t'es con en tabac. Quoi? Ouais, je sais pas, veux-tu gager? C'est okay. Vrai, maman va passer au canal 9. Merci, Marcelet. Bon, tu vois ce que je te disais? Comment ça, tu connais pas ça? Pauvre gars, t'as pas le câble pis tu connais pas le canal 9? Hey, écoute bien, là. Annie, elle cherche juste des hommes cultivés. Ouais, change pas de sujet. Ouais, ouais. Ben oui, au câble. Ça s'appelle pot pourri. C'est comme un cours de peinture, là, où ce que maman est prof. C'est correct, elle... la sœur, va dessiner un peu plus loin. Excuse-moi. 8 heures. Mais non, c'est pas en direct. Quoi? Oui. Oui, écoute, si ça t'intéresse tant que ça, là, je te ferai un compte-rendu demain au cégep. OK. Oh, le malheur nous guette. Les Rodrigues s'en viennent. Quoi? T'as pas fait ça? Écoute, figure-toi que... nos pauvres diables de voisins n'ont pas le câble. Et puis, imagine-toi aussi qu'ils aimeraient découvrir les vertus du canal 9 par le biais d'une émission éducative qui, de plus, sera brillamment animée, et je cite, par votre très sympathique et... Mais c'est pas vrai, il va me rendre débile, ce téléphone! Oh, oh, peux-tu aller répondre? C'est pas... Papa? C'est grand-maman Louise. Elle s'en vient avec grand-papa. Ah. Oh ben, il manquait plus que ça. Les parents. Oh, ça. Il n'y a pas sonné assez de mon jeu de téléphone. Oui. Hein? Tu niaises, maman? OK. Bon, ben bonne nouvelle. On vient de se débarrasser des Rodrigues. Hein? Comment ça? C'est maman qui appelle pour avoir nos commentaires. Nos commentaires? Comment ça? Ben, c'est qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle. L'émission était diffusée à 7 heures, pas à 8 heures. Ben, écoute, heureusement qu'elle est reprise, hein? After over 10 years of existence, CF Cable TV gained a considerable number of customers and could count on numerous voluntary workers anxious to participate in its success. By unveiling the mythical world of television, CF Cable TV gave several social groups, citizen committees, and individuals the long-awaited opportunity to take advantage of a means of expression previously reserved to communication professionals. I think the community channel is a vital part of all these small Montreal communities that are out there. We have one huge community, but there are also individual communities within it. I think it's very vital because it gives each of those individual communities a voice of their own. They're able to come forth and express their own cultural identity, as well as share that with the greater Montreal community. And I think that it is something that is vital in us being the melting pot that we are in this city. La télévision communautaire se démarque du fait qu'elle est faite par les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez aux gens qu'est-ce que vous voulez comme télévision, est-ce que vous avez des idées de montage, vous avez des idées de reportage, vous avez des idées de documentation ou d'interprétation de services à apporter. Donc les gens créent cette télévision au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à la blague que c'est probablement une des télévisions les plus novatrices. Parce que comme il y a une interaction entre l'offre et la demande, il y a donc cette interaction qui permet d'aller au-delà hein, des télévisions qui sont plus conventionnelles, pensées par le haut, pensées pour les gens, mais non pas par les gens.
but the community channel in itself, just narrowcasting again even more into the community so that the little guy can get some publicity, so that someone who's doing some real good in the community can be known about, so that that event can be understood or known more about, so that the charity can do more work. Or whether it be a hobby, as we've discussed in the past, these are good things, and it gives a big audience to something small. And the narrowcasting aspect of it is a great thing for the community. It just helps the community grow and evolve. En 1982, après l'acquisition par CFCF, Cable TV est rebaptisé. C'est donc sous l'appellation de CF Cable TV qu'elle fêtera ses 25 ans d'existence en 1986. Forte de l'expérience vécue au fil des ans, l'entreprise poursuit son envolée. Cet intérêt sans cesse grandissant de la population, Accès Vision 9 le doit à la particularité de son contenu. En effet, les émissions qu'elle diffuse se distinguent de celles présentées par d'autres stations. Qu'un véhicule d'information, le canal communautaire remplit une importante fonction sociale au chapitre de la formation. Par ses infrastructures, cette télévision permet aux gens qui envisagent une carrière en communication d'acquérir les connaissances inhérentes au métier. Le canal communautaire a influencé ma vie professionnelle d'une façon directe et souvent j'entends dire « bon, c'est une école ». Peut-être. Mais pour moi, ça n'a pas été une école, ça a été un élément déclencheur parce que, bon, dans le journalisme, tu peux toucher à la radio, à la télévision, aux journaux. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit « wow, ça, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. C'est vraiment ce que j'ai le goût de faire le plus. » Ça a été vraiment un coup d'amour. Bien, évidemment, acquérir de l'expérience, ça, c'est sûr. Apprivoiser la caméra, chose que moi, je n'avais jamais fait, évidemment, avant d'arriver ici. J'avais pu apprivoiser le micro, mais pas la caméra. Maintenant, je travaille en radio. La télévision communautaire m'a permis, si tu veux, un peu de solidifier mes acquis que j'avais déjà, les techniques d'entrevue, tout ça, perfectionner un peu tout ça. Et apprendre davantage à connaître le milieu communautaire, chose, évidemment, que j'ai plus tellement la chance de faire maintenant, étant donné que je travaille pour un réseau de radio et de télévision publique. On y touche un peu moins. Je regrette un peu ces années ici parce que j'avais l'impression que ma mission était un peu plus grande qu'elle est peut-être des fois maintenant. Je pense que c'est un très, très bon départ pour les gens qui veulent percer dans le métier. C'est une bonne école. C'est un endroit où tu peux apprendre par toi-même et aussi avec les autres qui en ont déjà fait de la télé ou qui n'en ont pas fait. Bon. C'est un endroit où tu peux faire tes propres projets. Ça, je trouve ça le fun. Tu peux créer. Ça y est, Kat. Je l'ai trouvé. Ça fait plus qu'une heure que tu nous casses les oreilles avec tes idées soi-disant géniales, puis tu finis toujours par te trouver ça comme un cliché pourri. Non, là, je t'assure, c'est vraiment une idée révolutionnaire, du jamais vu en ondes. Je le sais, une émission produite et animée par des animaux domestiques qui traitent des humeurs et des travers de leur maître. T'as raison, So. C'est génial, révolutionnaire. Avec ça, on passe à l'histoire. T'as vraiment l'imagination fertile. C'est dommage que tu t'en sers pas plus intelligemment pour nourrir notre projet. Léna, mais soupe au lait, je te ferai remarquer que les idées géniales, c'est moi qui les ai eues jusqu'à maintenant. Ben non, c'est quoi ton super concept? Ce qu'on devrait faire, c'est pas nécessairement une émission culturelle. For 35 years, and despite all obstacles in its way, CF Cable TV has successfully maintained its place in the world of radio broadcasters by aiming on quality and on the relevance of productions reflecting the community's interest and preoccupations. By offering diversified programming every year, Access Vision 9 is able to reach the widest number of customers possible. Access Vision 9 owes a great part of this recognition to numerous voluntary cooperators who participated in the community channel's development. Ce qui m'a frappé dans la télévision communautaire, du moins au moment de l'ouverture, c'était l'émerveillement et puis l'enchantement que ça avait créé dans toute la communauté, parce que pour la première fois, la communauté pouvait se voir dans ce médium-là. Et je dirais, moi, aujourd'hui, ce que j'ai retenu de tout ça, encore,
c'est qu'il faut continuer à susciter cet émerveillement-là pour le média. Il faut que les gens continuent à se voir dans le média. Et tant et aussi longtemps que la mission de la télévision communautaire va se coller sur cet objectif-là, moi, je pense que ça va toujours contribuer au succès des entreprises de câble haute distribution. On pourrait dire qu'on produit en moyenne hebdomadaire annuelle entre 16 à 20 heures. Ça dépend des saisons, du style de production qu'on choisit de faire, tout ça. Ensuite de ça, il y a presque 800 utilisateurs par année, tant des producteurs, des animateurs, des invités qui participent à nos émissions. Alors, ça fait une bonne clientèle qui connaissent en tout cas le produit et puis que ça va en apprécier la valeur. Puis notre clientèle, au niveau de la diffusion, se répartit, c'est environ 60 % notre clientèle francophone et 40 % anglophone. Alors, on essaye de bien desservir ces créneaux-là dans notre grille de diffusion, par la production qu'on choisit. D'une saison à l'autre, on essaie d'équilibrer le choix des émissions en fonction de ça, pour que la diffusion soit toujours équilibrée et représentative des clientèles desservies. However, without the production crew's essential cooperation, its success would not have been guaranteed. Having learned from the experience gained over the last 35 years, community television never ceased to grow and to adapt to the new needs and the ever-changing realities of the community. Strengthened by its remarkable singularity, Channel 9 has been playing a role of growing importance, recently recognized by the CRTC, in an environment where the segmentation of markets appears to be a fait accompli. Let us hope that community channels will be able to face the challenges brought by competition for a long time to come.